Bonjour, je reviens vers vous depuis un gros temps de course, Lidl. Oui, ça fait longtemps, mais je m'excuse, c'était pas chez moi, j'étais sur Rouen et j'ai pas eu l'occasion ou l'envie de faire des magasins. En plus, j'ai eu des problèmes familiaux, donc voilà. Donc, on va faire un retour de course Lidl. J'étais parti pour une cinquantaine d'euros. Excusez-moi. J'étais parti pour une cinquantaine d'euros, je voulais pas prendre de surgelé et tout. Je voulais aller à l'autre, du coup j'ai pris tout ce qu'il me fallait à Lidl. 73, attends, 73, 73 quoi. Voilà. On va commencer par. Attendez, avant je bois un coup, parce que genre de course, moi c'est pas véhicule, c'est un bus qui m'emmène jusqu'à. De en ville jusqu'à la Lidl et de Lidl jusqu'en ville. Moi j'habite en ville. Ça, c'est sympa de Lidl, même s'il y en a maintenant. On va commencer par des chips à l'ancienne. Voilà, des chips comme ceci à l'ancienne. Ça coûte. Voilà. Est-ce que je vous dis les prix? Parce que je. Ah, 99 centimes. Comment je vais faire? Après, je les ai rangés parce que. Oui. J'ai rangé des glaces comme ceci à la vanille. Au chocolat, excusez-moi. Au chocolat blanc. Je ne connais pas ceux-là. Bah, je connais pas. Je connais chocolat blanc, mais. Bon gélatili. En même temps, là, c'est vraiment des glaces à Lidl. Comme c'est Noz à côté, bon, là, j'avais pas envie d'aller à Noz, en fait. Il y en a 6. Voilà, des glaces comme ceci. Ça coûtait. Ah, excusez-moi si je transpire comme je sais pas quoi. Ça coûte. Mmh. 2,09€ quand même. Après, on a des guéminées de poulet. Ça, je ne dis pas le prix, c'est 1,89€. Bah, je ne dis pas qu'ils cherchent pas le prix. C'est 1,89€. Il y en a 3 paquets. Hein. C'est guéminées de poulet rôti. Nature, ouais, prends comme ça vient. Après, un petit fuet, ce qu'on dit. De la marque Solmar, c'est espagnol, on dirait. Bon, ils sont forts. Fuet extra produit à base de viande de porc, séché à l'air avec des protéines de lait et de vaches ajoutées. Viande de porc lactose, oh, bof. Bouillon naturel de porc. Ça coûtait. Excusez-moi. Une tranche de dinde. 1,89. Attends. Attendez. 1,59. J'ai pris ça pour sans être que moi les grosses barquettes de bien tout ça, tout moi tout seul, ça me gaspille, ça me fait trop long. Trop. Ça c'est de la quinoa aux 3 légumineuses et 6 citrons, c'est un salade veggie. Ah, c'est pas un taboulé. Ça doit pas être mauvais ça. Ouais, excusez-moi, je transpire. Voilà, une petite salade veggie. Ça coûte combien? Ça, le quinoa, c'est ça, j'ai vu. 1,29€, la petite barquette de combien? C'est vegan. C'est Nutri-Score A. Consommé jusqu'au 2 août. Il y a 200 grammes de petites. Voilà. Ah mince! Attends, excusez-moi alors. Je me suis fait avoir, excusez-moi. Oui, excusez-moi, je vous verrez pas. Il y avait une autre, un autre truc de frites. Il y avait les frites. Les frites, ça coûte. J'ai rangé les frites. Ah oui. Oui, désolé, excusez-moi.
Les frites coûtent... Ah, 1,85 le paquet. Alors, excusez-moi, j'aime pas faire ça, mais bon. Brioche stressée au sucre perlé, ça je connais pas, parce qu'on est brioche stressée, hein, bien sûr. Au sucre perlé, c'est à Lidl, c'est une promo. C'est de temps en temps qu'ils doivent faire ça. Des fois, dans les promos, il y a des choses intéressantes qui sont tout le temps. Ça sent un peu 500 grammes. Ouais, ça coûte combien? Ma note, elle est. Ça coûte combien? Je me dis ça, non, ça va, non, sinon. Non, ça non, nectarine, suis non, brioche stressée, 1,89. Autant de manger bois. Excusez-moi. Encore des grignotés de poulet, 1,89. Une salade jambon et mentale, salade et crudité sauce fromage blanc et ciboulette. Oui, je pourrais faire mes salades moi-même, mais voilà. En août, je vais essayer d'en faire. C'est pas. J'ai en plus ce qu'il faut pour mettre dedans, mais bon, bah, de mettre dedans, pour mettre la salade dedans, les ingrédients et pommes, mais voilà. Salade crudité, sauce fromage blanc et ciboulette, ça coûte combien? Salade jambon, c'est ça? Oui, 1,99. Je vais en mettre. Après, j'ai pris des blancs de poulet comme ceci en promo. Il y en a 6 fois 3. Ça coûte combien ça? Poulet, maintenant. Rôti, pardon. Ah, 1,79. Oui, c'est pas cher, 1,79. Hein. C'est du florimissant quand même. Après, j'ai pris des végétales fraises framboises. Ah, c'est fraises framboises, ça. Hein. Voilà, comme ceci. J'essaie de ne pas voler de votre faire, mais sans plaisir. Fraises framboises. Ils sont très bons, ceux-là, au lait de coco. Ça coûte 1,79. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Il y en a au citron, 1,79 aussi. Après, les prix, ça, je ne connais pas ceux-là. Les natures sur fruits, panier d'opulé. Il y a framboise, mirabelle, mûre, abricot, fraise, pêche. Si vous voyez, c'est yaourt et il y a le coulis dessous. C'est panier d'opulé qui font ça. Oui, je vous fais voir comme ça vite fait parce que bon, j'ai pas de place pour les poser. Ça coûte, panini au plaid, 2 euros. Après, j'ai pris ça, le bon végétal, steak, soja et blé, de la marque Herta. Ça coûte. Ça coûte combien ça? C'était Herta, 2,35 €. Après, j'ai pris ça. Que du bon dans notre assiette poulet et pâtes. Oui, je sais, c'est des trucs tout frais. Hein. Voilà, on fait comme on veut, comme on peut, comme voilà. Le poulet et pâtes. Ça coûte. C'est quoi ça? Non, poulet et pâtes. Poulet et pâtes parmesan, c'est ça? Ah si, ouais, c'est parmesan.
Ça coûte. Ah, oh mince, j'ai perdu. Ah, oh mince, j'ai perdu. Là, j'ai perdu. J'avais. Ah, 1,99. Après, j'ai pris encore une autre salade. Salade tagliatelle du saumon. Ça coûte. Salade thon, c'est pas celle-ci, non, ça c'est saumon, celle-ci. Je sais pas. Pour les pâtes, non, c'est pas ça. Salade jambon, c'est pas ça. Ça qui est la carbonara. Ah, c'est ça. 1,95. Après, j'ai pris des mousses de foie de porc. Comme ceci. Il y en a combien? Il y a 180 grammes. Et ça coûte 99 centimes. Attendez, moi, je vais faire un peu de quoi. Je vous ai fait voir. Ah putain, main! Ah oui, excusez-moi. Faudrait que j'ai mis dans notre sac. Les chips à l'ancienne, bien sûr, comme vous avez fait voir ou pas ça? Les chips. Ça, je vous ai fait voir. Ouais, excusez-moi, c'est quoi? Ça, je vous ai fait voir. Ça, je vous ai fait voir. Ah voilà, on est là. Thon, après il y a du thon crudité, œuf, thon, œuf. Ça coûte 1,99 aussi. Je crois que c'est le même prix en fait. Excusez-moi, il y a un yaourt qui s'est barré. Après il y a ce boulgour, ce taboulé libanais. Le taboulé libanais coûte, oh tiens, je l'ai là, 95 centimes. Après, j'ai pris du coca, 2,02€, 2,04€, quoi. Du coca. Des canettes, ils font plus les packs, ils font la canette à l'unité maintenant. 65 centimes la canette de coca, 50 centilitres. En fait, c'est moins cher qu'à Action. À Action, les boissons, c'est même pas 50 centilitres et c'est 79. Ouais, coca est cher à Action. Hein. On en prend beaucoup, mais on prend en prend souvent, mais. Action, on veut même prendre le Pepsi ou le Dr Pepper. Je sais, c'est pas coca, mais bon. Après de l'eau comme ça, pétillante au citron, ça coûte 39 centimes.
Après, j'ai pris du TPS. Oui, TPS, oui. Ça coûte 89 centimes. Après, les glaces pistache et chocolat. Oui, ils sont dans le congélateur, les glaces. Je préfère faire comme ça, moi. Vite fait ranger les courses, charger et déballer et faire un peu de carton. Ça coûte 1,99. Après, il y avait celle-ci aussi, les menthes chocolat flavor. Gilatelli. Ils sont pas trop chers, les glaces à Lidl, ça va encore. Bon, des fois, il y a des plus grosses affaires à faire à Noz que Lidl, mais bon. Bâtonnets. Putain, non, pas donné, bon, non. Coup de menthe 1,89. Du coca encore. Des chips classiques. Voilà. Encore des grignotées à 1,89. Ça, c'est quoi? Des tartinettes chocolat noisette. Équitable, jardin bio. Ah, des. Voilà. Des petits gâteaux comme ceci. Ça coûte combien? Ah, c'est ça la fin, ça. Ça coûte 2,89€, c'est pas donné quand même. Après, les crèmes dessert café. Ah oui, j'en avais acheté à Leclerc sur Rouen. Ils sont à 1,04€, mais il y a beaucoup plus le soir. Là, ils sont à 75 centimes et pas grand-chose. Ils sont moins chers à Lidl, mais moins de choix. Leclerc sont un peu plus cher, mais voilà. Les grignotées aussi, elles sont au même prix. Il y a un paquet de choix à Leclerc. Il y a des grignotées à d'autres trucs. Vous connaissez les grignotées de poulet au chorizo? Eh bien, c'est délicieux. Hein. J'ai déjà pas pu vous faire voir les vidéos et tout. On a rangé comme ça et on n'était pas. Ouais. Oui, voilà, sans rentrer dans les détails, j'ai perdu quelqu'un de ma famille. On était tous, voilà, on n'était pas trop dans le move faire des vidéos. Là, ça, c'est le café. Après, les tagliatelles à la carbonara. Ça coûte. Ouais, bah, c'est pas comment ça coûte, ça. 1,89, quoi, un truc comme ça. Oh là là, oh là là, putain, mais je sais pas comment je fais mon compte, moi. Dès que j'achète des fruits, ça se barre. Ah, que je les ferme pas, les fruits. Et eux non plus, à la caisse, ils me les ferment pas. J'ai pris des pêches ou des nectarines, j'en sais rien, comme ceci. J'ai pris un cervelas de la marque Saint-Albi. Cervelas 1,88. Après, j'ai pris des gros petits porcs aux herbes. Ça coûte 1,89. Des gnacks aux porcs. Ça coûte 1,31. Les gnacks de poulet coûtent 1,23. Ah oui, ils sont plus moins chers. Après, de la terrine de campagne. Voilà, comme ceci. À 1,59. Là, je les trouve facilement, les produits. Ça coûte. Les mini-lunettes coûtent 1,79. J'ai pris des prunes aussi. Des petites prunes comme ceci.
qui coûte 99 centimes et les pièces nectarine, pardon, c'est 2,95. Non. 1,75. Ça coûte, rôti de porc, si je fais à l'envers, ça peut aller. 1,59. Les petites fines tranches. Les fines tranches, je les ai vues quelque part, mais alors, ouf. Un jardin, une tranche à 1,69. Du rôti de porc nature. Du filti à la menthe. On va monter des cocors, et voilà. Voilà, ma vidéo est finie. Voilà. Elle a été longue quand même, 21 minutes. Moi, je vous dis à bientôt. Activez la cloche de notification, abonnez-vous. Likez. Venez sur mon Instagram si vous voulez. Je vous le mettrai en barre d'infos. Sur mon Snapchat aussi. Si vous... pas tout le monde, par contre. Ceux qui font des... Ceux, font... Qui... ceux que je connais sur YouTube, si vous avez... Ceux que je connais qui ont YouTube, qui sont sur... Voilà. Ceux que je connais... qui sont de YouTube, qui ont un Snapchat, venez, hein. Je sais pas si vous avez Snapchat, mais bon, voilà. Voilà, j'ajoute beaucoup de temps de... Parce que j'avais beaucoup de monde, et là, j'en ai enlevé, et je fais un peu des snaps, voilà. Ouais, sur Snap, pour l'instant, c'est voir des trucs que j'ai fait voir, que j'ai acheté, que j'ai goûté. Je vais voir si, voilà. Après, il y a d'autres personnes... Ben voilà, la vidéo est finie. Je vous dis à bientôt. Abonnez-vous, likez, partagez, activez la notification. Je vous dis à bientôt, gros bisous. À la prochaine. Bye bye.